C'est SNES, on se retrouve pour une vidéo de ce ne pas rire, épisode 102. Alors je tenais à préciser une chose, aujourd'hui c'est le dernier numéroté, on va dire, normal. Après les prochains, ce sera comme un spécial centième, donc à partir du 103. C'est-à-dire que le SNPR 103, ce sera plein de petits clips de youtubeurs. Dans les commentaires, vous m'avez dit que vous kiffiez ce concept, donc on l'appliquera pour le prochain numéro. Voilà. Alors pour appeler mes sphères, le but est très simple. Il suffit de regarder la vidéo avec dos dans la bouche et de ne pas rire. Comme ça, prenez dans les commentaires comment te faire de rigoler. Allez, c'est parti mes sphères. Moi j'ai dit non, Margot. Je comprends pas, parle doucement quand tu me parles. Bah non, j'ai l'habitude quand je parle comme ça, je parle doucement là, ou pas. I began to pass out and my head hit the wall. Salut à toi, merci pour ton commentaire. En réalité, je suis même plus vieille que ça, j'ai 58 ans. Boulet, B-O-U-L-E-T. Comment on doit avoir trop la rage. Why did you open the door? Désolé frérot. Tranquille mais... T'as vu tout l'espace qu'il y a? You are my son.
You make me happy. Personne, frérot. Mon prénom? Votre nom et votre prénom, s'il vous plaît, monsieur. Alors, mon nom. D'accord. Gérald, G-E-R-A-L-D. D'accord, Gérald. Jérémy, G-E-R-R-E-M-M-M-M. M. Deuxième? 3. Et Y. Troisième? Oui, 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 non, c'est turc. Et votre prénom c'est Jérémy avec deux R et avec trois M, c'est ça? Oui, Jérémy. D'accord, monsieur. Et est-ce que vous avez une adresse mail? Oui, bien sûr, bah, c'est gérald.jérémy@outlook.fr. Tu l'as aimé? J'ai joué au Cameroun il n'y a pas très longtemps, je te jure, les Camerounais, ils sont magnifiques, ils sont expressifs. Tu joues au Cameroun, le public, il parle avec toi. Salut à tous, c'est Denis Brognard, je suis complètement foncedé. Mi-temps, mes sœurs, j'ai rigolé une fois. Et n'empêche qu'au moins, il nuit trop bien la voix. Ce serait cru à Koh-Lanta. Et vous, mes sœurs, quel passage vous a fait rire? Dites-le moi en commentaire. Somebody come get her, she's dancing like a stripper. Hey, somebody come. Excuse-moi, t'écoutes quoi comme musique? Bah justement là j'écoute rien, justement je vais mettre les écouteurs pour que personne vienne me casser les couilles. Ah, cul. God, I just fucking hate it that I have a dump truck ass and a great personality to fucking boot. So, ab heute gibt's nur noch gesunde Ernährung. Hä? Hä?
Normal que votre homme se masturbe alors que vous êtes en couple avec lui. Bien sûr que c'est normal. Le soir, quand on a la dalle, vos excuses, là, on les connaît. Je me sens pas bien. Je suis fatigué. J'ai mal au ventre. Ah, j'ai mal à la tête. Et quand vous avez vos règles, là, c'est la meilleure des excuses. Je peux pas, je suis indisposé. Tose. Merci, patron. Merci, patron. Franchement, les jeunes, c'est les plus cons, hein, parce que c'est les plus soumis. Hein. Moi, je pensais que les jeunes, c'était des rebelles. C'est des vrais connards. Hein. Parce que c'est, tu lui dis de mettre un masque, il va mettre un masque. Tu lui dis d'aller au boulot à 8h, il sera au boulot à 8h. Tu lui dis c'est télétravail, c'est télétravail. Tu lui dis maintenant, t'achètes plus de voiture, il achète plus de voiture. C'est... Papa. Quoi? Comment on appelle ça un boomerang qui revient pas? Je sais pas. Un bâton! Papa. Quoi? Comment t'appelles ça un poisson qui est pas né encore? Je sais pas. Un poisson pané! Papa. Quoi? Pourquoi la vache elle a une cloche dans le cou? Je sais pas. Pour faire de la musique! Papa. Comment on appelle ça, les parents d'un fantôme? Je sais pas. Des transparents! Papa. Quoi? C'est quoi la cause principale de divorce? Je sais pas. Le mariage! Papa. Quoi? C'est quoi le plus grand rêve d'une imprimante? Je sais pas. Faire bonne impression! Papa. Quoi? Comment on appelle la femelle de l'alpaga? Je sais pas. Une alpa-fille! Il faut vivre la vie au jour le jour, à la seconde, à la seconde. Alors on apprécie les détails, les trucs comme ça. Bon, parfois on se pète la gueule, hein. Mais ça vaut le coup. Cette salle où je m'entraîne, moi j'habite à la mer du Nord, parce que j'adore mes chiens, comme on dit, parce que là je mélange mes pensées, mais je reviens toujours à ce que j'ai pensé, excusez-moi. Bon, même découpé, tu peux le mettre en ordre. Même découpé, tu peux... Bon, okay. La mer du Nord, pour moi, quand j'étais jeune,
J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. C'est terminé, j'ai rigolé une fois. Dites-moi dans les commentaires quel youtubeur ou tiktoker vous souhaitez pour la prochaine vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour nous donner. Ciao, Mr. Sphere.